Une image, regardez, qui aura vraiment marqué cette soirée. C'était il y a quelques instants à Bollaert. La fête absolue, pourquoi? Bah parce que ça y est, il a prolongé Seko Fofana. C'est beau, Mathieu? C'est beau et c'est bien fait ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, c'est beau. J'aurais dû y penser. Ils ont... ça vous donne des idées pour la suite. Je trouve que c'est grandiose, à l'image du joueur. Et de ce que le club fait depuis quelques saisons, il travaille très bien. Garder un joueur comme ça et le prolonger, c'est positif pour le joueur, pour le club, pour la ville, pour les spectateurs. Mais l'annoncer comme ça, c'est plutôt pas mal sur une fin de mercato. Tout le monde pensait qu'il allait partir. Et au final, il reste, donc c'est bonne nouvelle pour eux. Parce qu'on va, voir après, on l'a vu dans les tribunes, il n'a pas joué ce match ce soir, le stade s'est éteint, le match s'est terminé, on va voir dans un instant ce qui s'est passé dans cette rencontre. Et puis là, ça, c'est vraiment c'est une belle surprise, clairement, parce que c'était le gros point d'interrogation, est-ce qu'il allait rester ou pas, Seko Fofana. Avant le match, de toute façon, quand on l'a vu dans les tribunes, on s'est posé la question, est-ce qu'il allait partir ou pas. Et c'est vrai que cette mise en scène, elle a été très très bien faite. Le Racing Club de Lens, on sait que c'est... Aujourd'hui, le travail de marketing dans pratiquement tous les clubs, c'est un peu ça. Hein. C'est trouver quelque chose d'innovant. Et là, franchement, ça a été très innovant pour le Racing Club de Lens et pour ce joueur qui est exceptionnel. Et qui est très important, évidemment, dans ce dispositif lensois qui fonctionne à merveille depuis le début de cette saison. On profite de ces images hein, en quasi direct, c'était il y a quelques minutes seulement, dans un Bollaert chaud bouillant en plus, comme on aime Félix. Hein. Et puis 3 ans de contrat, Mathieu, c'est un gros gros coup de prolonger Seko Fofana en fin de mercato. C'est un très gros coup, c'est un message envoyé à tout le monde. Lens est ambitieux, voilà, se donne les moyens de faire une grosse saison.